le SM Vega, ça sera en nocturne à partir de 20h. Et samedi, deux matchs pour clore la troisième journée où le MC Lorient de Sétif recevra le SB Biskra, ça sera à partir de 17h45. Football, mais cette fois concernant le football féminin, le responsable des sélections nationales féminines tour, on dit que la manche retour aura lieu le 21 septembre à Accra. Le mondial féminin des U20 aura lieu en France, ça sera en août le prochain. Et en prévision de la rencontre avec l'équipe algérienne et son stage bloqué au centre national de Sibérissa, l'interview est aujourd'hui en bord du championnat national revenu par le stade technique sous la conduite de Wahiba Rahal, renforcé à l'occasion par l'ensemble du staff de la sélection A. Et parmi les 21 joueuses des U20 en regroupement, c'est comme ça, il y a des joueuses de la sélection U17 qui se préparent ainsi en vue de la double confrontation contre le Mali en octobre prochain dans leur catégorie. C'est une bonne chose, elles joueront son complexe à estimer cher. Et pour finir, avant de concentrer en liste, contre l'Égypte ce soir, pour rappel, l'Égypte est en train de se faire très longtemps déjà.